modèle trail. C'est ce que tu as vu. Je me suis renseigné sur ce que c'était. C'est en fait le modèle trail comprend l'intérieur cuir. Sur les portières, il y a des petits plastiques. D'accord. De protection. C'est tout ça que ça regroupe. Et là, le mot Apple CarPlay. Il y a les deux, hein. Ici il y a le Apple CarPlay et il y a l'Android CarPlay. Tu peux choisir en fait. Oui. Et toi c'est Android. Moi c'est Android, oui, le mien. Et là il est connecté. Oui, il est connecté, regarde. On voit le. Via quoi ? Avec le câble, tu vois, j'ai mis le câble, 125 kW j'ai vu. 125 kW ouais. De mode, c'est un moteur 1995 je crois, centimètres cubes. 1995 ouais. Centimètres cubes. Et niveau confort de conduite, elle est comment? Oh, c'est agréable à conduire, ça se conduit comme une voiture. Et tu vois la suspension, elle est. Enfin, tu sens la suspension, elle est confortable. Hein. Ah oui, ce que je me demandais, c'était le tonnage. C'est une 3 tonnes 5. À mon avis, ça doit être moins, non? Enfin, je ne sais pas. C'est ça que je me demande. Donc c'est ici, hein, la rue du Pinchard. Oui. On est d'accord? T'aimes bien les tournants. Les tournants. D'accord. Que j'appelle la petite Suisse d'Opsy. Ouais. Tu vois? Je suis passé par ici pour venir chez toi. Comme ça, on voit les tournants. Oui. Ça me donne une idée de la tenue de route. Tu vois? Oui. Et elle est large, mais tu vois, ça. On voit bien la dimension ça, de la voiture. Ça tourne bien. Oui. Et t'as une caméra de recul. Oui. Tout ça, tu on feras fera ça une tout à l'heure. On regardera tout à l'heure. Oui, d'accord. Je crois que c'était le. Caméra de recul, bip devant et derrière. Oui. C'est sympa parce que il affiche tout, toutes les données de mon téléphone, il affiche même le Spotify. Il peut même afficher par oui. Bluetooth. À mon avis, oui, mais je ne sais pas pourquoi mon fils fait ça par le câble. Et le câble était là, donc je l'ai pris. Pour leur farder, sans doute, son téléphone. Oui, sans doute. Hein. Parce que ça consomme beaucoup hein, quand tu es sur les. Ça consomme beaucoup. Le GPS. Ouais. Et pour le. Voiture de sport ici, tu as vu? Oui. Et voilà. J'ai fait un nouvel emplacement
de la caméra pour cette vidéo. Oui. Vous me direz dans les commentaires de la vidéo ce que vous en avez pensé. D'accord. Je ferai ça. D'aller par où? À droite, à gauche? Si on sait reprendre l'autoroute. Ah oui, d'accord. Ben alors on va aller chercher l'autoroute par la droite. On va aller vers Rixensart comme ça. Le seul inconvénient, je trouve, quand... mais ça, c'est lié au fait que c'est une camionnette qui n'est pas vitrée. C'est que quand tu es un peu en oblique, quand tu sors et que tu dois rentrer dans une chaussée, tu ne vois pas bien, tu vois pas les voitures arriver quand tu es en oblique en fait. Et un point fort et sinon, de cette voiture. Je trouve qu'elle est fort. Pour le chargement, il y a beaucoup de place pour le chargement. Hein. Oui, ça c'est vu. Je trouve qu'elle n'est pas trop bruyante. Non. La camionnette. La Ford a fait des progrès. Oui. Et je voulais pas encore dire, mais en fait. J'ai pas encore dit pourquoi je voulais absolument la tester. Ah non. Parce que on va sans doute avoir la même, mais nous en automatique. Ah oui. On va la voir. Oui. Et ce sera le même moteur, tu crois? Ah non, c'est aussi un diesel, hein? Oui, c'est ça. Hein, c'est aussi un diesel. Ouais. Et je ne sais pas si ce sera le même kilowatt ou pas. Ou un peu moins puissant. Je ne sais pas ce qu'on a pris. Oui. Et j'imagine que tu as le régulateur de vitesse. Oui. Oula. Tu pourras nous le montrer. Oui. Dans un an. Ah bon? Oui, mais il faut l'équiper aussi. Ça, l'équiper, c'est pas le problème. De fabrication de la camionnette en elle-même. Oui. Ah, oui. Ben, mon fils, il a attendu un an et demi pour l'avoir. Oh, et il l'a commandé. Il l'avait commandé en Au Havre. Oui, je pense bien, oui. Oui, c'était à Havre. Et oui, au niveau suspension, elle est confortable. Oui, hein. Et pour le chauffage, tout ça, c'est via l'écran. Oui. Il faudrait que je m'arrête pour... Ah ben regarde celle-là, sur la droite. Seulement la caméra ne le voit pas. Hein. Mais c'est sur la droite celle-là. Oui. Et alors par contre, pour les dégivrages, tout ça, tu vois, ce sont des boutons séparés. Ah ça c'est bien. Tu vois, s'il faut faire le maximum pour désembuer le pare-brise. Voilà. Et combien elle a de kilomètres? Alors, elle a 26 000 kilomètres. Oh oui, elle est toute neuve. Oui, je pense que ça ferait un an qu'il l'a. Mais par contre,
qu'il devrait mettre, parce que j'ai vu ça dans le capot le poids, un anti-bestiol, un anti-fouine. Quoi, tu as vu que la mousse avait été mangée? Ah, d'accord. Oui, j'ai vu ça quand j'ai regardé la vidéo. Ah, d'accord. J'ai pas fait attention. Donc, ça... Je lui dirai. S'il regarde la vidéo, il me le dit. Il verra que je l'ai vu. Regarde, on arrive à l'autoroute ici. Les tirs en cuir, c'est agréable. Oui, hein. Et je crois qu'au point de vue entretien, c'est quand même plus facile pour lui. Nous, ils seront en tissu. Ah oui. Et voilà, on est sur l'autoroute. Tu veux que je sorte où? À Wavre? Oui. Ça, je sais pas très bien. Mais si il n'a pas fait de plein depuis que je l'ai utilisé, elle consomme pas beaucoup, je crois. Enfin, elle consomme pas beaucoup. Elle doit bien consommer, à mon avis, facilement 8 litres. Hein. Mais on peut peut-être voir ça, en fait. Google Maps et en même temps je vois l'écran Spotify de mon téléphone. Oui. La musique. Et alors? Et tu vois, il y a un stop and start ou start and stop, je ne sais pas comment on dit. Start and stop. Ouais. Comment est-ce que je sais que c'est bien mis? Là, ça devrait aller. Regarde, il y a la direction, oui, qui est indiquée sur ouais, par les barres vertes et jaunes. Ouais. Et voilà. Et voilà. C'est trop bien. Merci. Le chauffage. Comme ça, on voit. Là, c'est pour délivrer les rétroviseurs. Là, c'est l'air conditionné. Et là, c'est si tu veux augmenter la ventilation. Ouais. Voilà, c'est 3 tonnes et demie. Ouais, c'est 3 tonnes. Et alors, 125 kW, je vois. Oui. 1995 cm3. Mm-hmm. Donc, on peut voir l'intérieur, mais à mon avis, c'est très sale. Elle est. Ah, oui, d'accord. Ce sera 150 chevaux. Ce sera 150 chevaux. Oui, celle-ci, nous, c'est 170. Sur notre. Avant celle-ci, on a eu une Ford Transit, donc l'ancien modèle. C'était déjà comme ça. Et, oui, c'était déjà comme ça. Vous avez eu de la peine à voir comment il fallait. Oui.
Oui, c'est spécifique au Ford, hein, ce système, je pense. J'espère que le point de vue que j'ai fait vous a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Oh là, il me rate dans l'anneau. Alors, mais cette fois-ci, ce sera la mienne. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. À bientôt pour une prochaine aventure.